Hello. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on construit ton premier avion RC, ou du moins ta première construction d'avion RC, un avion type trainer, tout d'éperon de 1 mètre d'envergure. Pour cette construction, j'ai opté pour des formes simples, et donc une construction facile et rapide à réaliser. Alors si tu suis toutes les étapes de cette vidéo, tu devrais obtenir rapidement et très facilement un avion qui vole parfaitement, idéal pour débuter. C'est parti! Alors j'ai réalisé un plan plutôt basique avec des formes très simples. Ouais, il est moche, on peut dire qu'il est moche. Mais en tout cas, ces formes simples vont être faciles à réaliser pour une première construction. Le but n'étant pas d'obtenir un avion esthétique, mais vraiment un avion qui vole parfaitement, un avion qui vole très sainement, un vol plutôt lent, qui planerait presque. Bref, quelque chose de pas trop vif, que tu écraseras pas au bout de 2 secondes. Et en tout cas, même si tu l'écrases, il sera suffisamment solide pour redécoller tout de suite derrière, ou au pire en reconstruire un, et c'est reparti. Voilà, j'ai découpé toutes mes pièces dans du déperon de 6 mm. Cette pièce-là est x2. L'empennage x2. Et également cette pièce-là x2. Cette pièce-là, ce sera le bas du fuselage. Cette pièce-là, le haut du fuselage. Ensuite, je vais fixer mon empennage, donc profondeur et dérive. Je vais pas forcément les renforcer, je pourrais mettre un plat carbone à l'intérieur. Mais sur ce genre d'avion, ça va être un avion un peu lent, qui va pas encaisser vraiment des acrobaties et beaucoup de vitesse. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt de renforcer toutes ces gouvernes. Personnellement, je préfère les coller à la colle chaude. Deux plaques de déperon de 6 mm collées à la colle chaude, c'est vraiment très rigide. Il n'y a que la gouverne de direction que je vais quand même juste renforcer avec une petite corde à piano de 1 mm. Alors ensuite, je vais devoir biseauter ma profondeur. Donc pour faire un biseautage parfait à 45 degrés, je vais prendre ma règle, un cutter avec une lame bien coupante. Et sur le rebord de l'établi, donc je viens plaquer ma profondeur, ma règle bien parallèle. Là, j'ai deux plaques de déperon, donc 12 mm. Je laisse 12 mm également ici à peu près. Et maintenant, je plaque ma lame de cutter contre mon établi et ma règle. Thank you.
du scotch armé pour les charnières. Alors sur ce bâti, je vais y fixer mon moteur Crazy Pony, un 2205 en 2300 kV, relié à un ESC 30A. Pour l'adapter sur cet avion, je vais rajouter deux cales de déperon de 6 mm. Mais si vous utilisez ce genre de moteur là, il s'adaptera directement sans les petites cales en déperon, simplement parce que l'axe est vraiment plus long. Alors que ceux-là, ce sont des moteurs de drone, donc il y a vraiment un axe bien plus court. Donc là, cette pièce qui est destinée à aller à l'avant, je vais même la diviser en trois pour me permettre de faire une trappe pour ma lipo. Ensuite, il me reste plus qu'à fixer mes deux cerveaux pour la dérive et la profondeur. Donc pour ça, je vais utiliser des cerveaux standards, 9 grammes. Il va me falloir une corde à piano, 1 mm, des palonniers en nylon et des petits guignols à vis. Donc il existe aussi des petits guignols en nylon. Ou alors deuxième solution, peut-être plus courant, c'est le guignol en nylon. Ensuite, je branche tout ça à mon récepteur, donc un FS2A IA6B FlySky. Je vais mettre mon ESC 30A sur la voie 3, ma dérive sur la voie 4, ma profondeur sur la voie 2. Et ensuite, quand mon aile sera construite, je vais installer deux micro-cerveaux sur chaque aileron, reliés avec un câble Y, et ils viendront tous les deux se brancher sur la voie 1.
Je vais juste remodifier mon système de fixation pour mon capot. Donc j'ai redécollé cette partie-là. J'aurai juste à mettre un petit élastique ici et mon capot sera maintenu. J'ai découpé mon aile d'enduit d'éperon de 3 mm. Ces pièces-là sont l'intrado de l'aile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper deux pièces légèrement plus larges, donc ce sera l'extrado, et elles vont être plus larges simplement pour pouvoir compenser la courbure de l'aile, pour pouvoir compenser le profil. Ensuite, je viens coller mes longerons. Je donne un dièdre à mon aile. Avant de poser mon extrado, je vais donc installer mes micro-cerveaux. Donc des micro-cerveaux 9 grammes, reliés à un câble Y qui me permettra de brancher les deux cerveaux sur une seule voie et sur la voie 1 du récepteur. Voilà, j'ai découpé deux extrados, donc légèrement plus larges, 1 cm de plus, juste pour compenser le profil de l'aile. Moi, je pars sur une construction vraiment ultra basique de l'aile, quelque chose de facile à faire et surtout très rapide à faire. J'ai renforcé ma jointure d'aile avec du scotch armé et je vais également coller mes ailerons avec du scotch armé. Pour finir, je colle un petit talon pour guider mon aile et que mon aile soit bien perpendiculaire à mon fuselage. J'ai légèrement arrondi les bords pour faciliter la mise en place de l'aile. J'ai rajouté une petite rallonge cerveau pour me faciliter le branchement. Voilà, ça donc je rajoute une hélice 70-35. Une lipo 3S 450 mAh pour un poids total de 350 g pour 1 mètre d'envergure. Avec cette lipo, on aura une autonomie d'à peu près 10 minutes. À savoir que pendant ce vol, j'ai volé à mi-gaz, voire 30% des gaz. Donc j'ai vraiment économisé ma lipo et j'ai gagné en autonomie. Mais l'intérêt pour cet avion, c'est vraiment de se faire la main, de voler lentement, presque de planer. D'ailleurs, pour les réglages, vous pouvez aussi diminuer l'exponentielle. En tout cas, sur ma radio, il faut les diminuer de moins 50, moins 60 pour obtenir un avion plus souple, donc moins vif, tout en gardant 100% des débattements. Pensez également à incliner légèrement votre moteur, qu'il soit légèrement piqueur, de 2-3 degrés. Donc pour ça, soit vous collez votre moteur directement légèrement piqueur sur son support, soit une fois votre support collé, vous rajoutez deux rondelles sur la croix de fixation du moteur, sur la partie supérieure de fixation, et vous obtiendrez l'angle idéal pour le moteur. Alors rajouter du piqueur à votre avion va vous permettre, quand vous serez plein gaz, ou en tout cas en accélération, simplement d'éviter à votre avion de lever le nez pendant les accélérations. Thank you.
vous mets en lien dans la description tout le matériel que j'ai utilisé pour la construction de cet avion. Ça va de l'aiguiseur de couteau au contrôleur de cerveau, etc. Les moteurs, les récepteurs, tout est dans la description. Vous trouverez également le plan à télécharger dans la description en lien direct avec Tipeee pour soutenir la chaîne. Voilà, j'espère que cette construction t'a plu. Lâche un petit commentaire, pense à t'abonner à la chaîne et on se dit à bientôt. Ciao !